Salut! Alors aujourd'hui, ça va être un unboxing les gars, parce que j'ai reçu mon petit colis Shein, enfin. Ça fait un mois que je l'attends, je l'avais commandé mi-mars là, et je l'ai reçu que je crois hier ou avant-hier. Du coup je suis super contente, j'avais peur qu'il se soit perdu, mais en fait il est bien là. Donc on va l'ouvrir, il y a pas mal d'articles et je pense qu'ils sont encore tous en stock. Donc je pense que vous pouvez les retrouver assez facilement sur le site. Donc on va les essayer, on va voir ça, on va voir si ça va. Allez c'est parti, je me munis de mes petits ciseaux. Au cas où ça va pas, je crois qu'il y a les retours qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on a? Je pense que je vais prendre un peu au pif. Je crois que j'avais commandé deux maillots aussi. On va voir ça. Bon, ben c'est parti. Alors, ah oui, il y avait un ensemble de sport. Bon, je pense que je vous mettrai les petits essayages à côté. Donc, c'est pas du tout Bordeaux. Merde, sur le site, c'était vraiment Bordeaux. Là, je me retrouve avec un ensemble assez rose. Ouais, ça a l'air pas mal. J'ai pris taille M. Mais ça a l'air petit, hein. J'avais pas envie de prendre taille L parce que la dernière fois que j'avais pris taille L sur des leggings, sur Shein, parce que c'est pas la première fois que je commande quand même, bah, c'était trop grand. Donc là je me suis dit je vais prendre taille M. En plus si c'est pour faire du sport il faut que ça me soutienne quand même. Donc ouais la taille elle a l'air assez serrée. Bah écoutez on va essayer ça. Ensuite, ah oui, bon là ça c'est un peu la mode en ce moment sur les réseaux. Toutes ces sortes de petits gilets là qu'on voit. Ouais c'est super mignon, je les prends en vert. Je l'ai pris, je crois que je l'ai pris en taille M. Ouais, je l'ai pris en taille M parce que j'avais peur que ça soit trop large. Mais je trouve ça trop mignon. J'avais pris une jupe à pois. Peut-être que je vais essayer avec le petit haut là, comme ça ira. Pareil, j'ai pris taille M. En fait, je crois que la plupart des articles, je les ai pris soit en M, soit en L de toute façon. Donc là, c'est une jupe fendue, kaki à pois. Trouvé trop mignonne et assez longue pour aller travailler. Je me suis dit que ça pouvait être sympa l'été. J'ai pris quand même que des affaires d'été hein, parce que je me suis dit vu le confinement on n'est pas sorti avant le mois de juin, ben c'est pas faux. Et brief à la fin de sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, voilà, ce qui va, ce qui va pas. Donc la petite jupe, hop, je vais tout mettre par terre, ça va être le bordel mais c'est pas grave. Tous les petits hauts transparents, j'avais pris celui-là qui est un peu tie and dye avec trois couleurs différentes. Je le trouvais plutôt sympa. Lui par contre je crois que je l'ai pris en taille L parce qu'il me semble que la dernière fois j'avais commandé des t-shirts en taille S, en taille M et c'était assez serré. Mais ça va, il a l'air de pas trop serré au niveau du cou, c'est surtout ça qui me faisait peur. Ah, il est vraiment cute. Je kiffe. Alors ça je pense que ça va aller. À l'œil, j'ai l'œil, je pense que quand je vois ce qui me va ou ce qui me va pas. Ensuite, ah oui, j'avais pris cette robe. Donc ça c'est festif, hein. Moi qui m'habille plutôt en noir et blanc, là j'ai pris des trucs assez colorés. En fait, elle a l'air courte et grande. Heureusement que je suis petite de taille. Moi je fais 1m57, donc je suis petite. Celle-là je crois que je l'avais pris en L parce que j'avais regardé... dans les commentaires, il y a souvent des photos avec des gens qui portent les tenues. Et elle avait l'air super petite en M, donc je me suis dit, je vais la prendre en L. Ouais, c'est du L. Donc, comme il y a un truc qui peut resserrer, là, je me dis que peut-être en l'attachant. Ouais, on va voir ça. Ensuite. Ouais, j'ai pris pas mal de choses, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah oui. Je me rappelle même plus, ça fait tellement longtemps que. J'avais pris ce petit haut en crochet. Ouais, c'est assez extensible. Celui-là, il était en taille unique, je me souviens. Et sur le site, on pouvait le porter des deux côtés, en fait. Il n'y a pas de... Soit on le porte en côté comme ça, et dans le dos, on a toute la... le lacet. Soit on peut vraiment le porter comme ça, et peut-être mettre un petit soutif sympa ou une brassière. Ouais, c'est joli. Par contre, il est bleu, en fait. Sur le site, il est vraiment gris. Et là, il est bleu. Bleu clair. Bon, ça ne me gêne pas, parce que j'aime bien le bleu clair. Mais bon, quoi qu'à la caméra, on dirait qu'il est gris. Mais non, en vrai, il est vraiment bleu. Ça a l'air sympa. Je pense que taille unique, ça va le faire. Puis je l'ai pris en taille M. C'est un pantalon taille and dye. Pas de def. Ah, il a l'air super.
super cool. Ouais, bah heureusement que j'ai. Ouais, taille M, ça a l'air sympa. J'ai hésité entre taille M et taille L pour celui-là, mais je me suis dit que c'est taille L, ça va faire horrible. Au lieu que ça moule un peu quand même. On verra. Donc c'est pour aller avec le haut. Je pense que ça peut le faire. Voilà, mais pareil, lui il ressort carrément plus bleu que ce qu'il était aussi sur le site. Mais ouais, c'est pas grave. Ensuite, je pense qu'on est bientôt à la fin. Il y a trois articles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, un petit haut satin. Ah, mais il faut que j'attache les bretelles sinon on ne comprend pas ce que c'est. Les prix verts. Pareil, je pense que celui-là avec la jupe, ça peut faire sympa aussi. Voilà, avec un petit haut qui redescend comme ça. Alors, celui-là, je crois que je l'ai pris en taille L, mais il a l'air grand. Ouais, c'est taille L. Il a l'air assez large quand même, je trouve. Vous voyez? Quoique, des fois ça a l'air grand, mais après, bon, ça fait un petit effet loose. Ça peut être sympa. Il est doublé au niveau de la poitrine. Ouais, faut que je vois si je peux mettre sans soutif ou pas. Ensuite, ben, ça va être les deux maillots, je pense. Alors, ceux-là, j'étais obligée, j'ai trop flashé. Alors, les maillots, je les prends taille L par contre. C'est vrai que j'ai l'habitude de commander sur Zafool. Les Zafool, les maillots en taille L, ils vont parfaitement quoi. J'ai jamais eu de soucis. Donc, j'ai pris le petit haut comme ça. Un petit bas assez échancré comme ça. Mais ce qui était sympa, c'est que vous avez la petite ceinture à mettre juste en dessous. Pareil, avec le petit cœur. Et ça, je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc, on va essayer ça tout à l'heure. Bon, je pense pas que vous montrerez complètement le cache du maillot, mais je vous montre au moins le haut que j'ai pris en taille L. Donc. Et enfin, le deuxième, c'est un petit maillot. Ah, carrément, ils ont mis toute la facture. Voilà, là, c'est fini. Le dernier maillot qui est un petit peu plus sportwear. Et donc, il y a le petit bas comme ça. Donc, c'est un shorty. Là, j'ai pris taille L aussi. Ah, bah, putain, au moins, j'ai fait taille L. Il est minuscule le truc. Mais je trouvais ça trop mignon. Et le petit haut, c'est une brassière assez simple. Alors je sais pas s'il y en a qui ont connu la marque American Apparel, mais ça me fait penser vraiment à ça. Voilà, donc j'ai pris ces deux petits maillots. Bon alors faut dire qu'il y a d'autres articles épais sur Chine que j'ai pas commandé et je pense que je referai une deuxième commande. Mais là c'était un peu le test pour voir si je le recevais parce qu'en plein confinement je me suis dit... j'ai pas trop commandé de choses parce que j'avais un petit peu peur mais comme les articles commençaient à être épuisés j'ai eu peur et je me suis dit bon je vais commander. Et bon là je l'ai reçu un mois après, donc faut dire que ça a mis du temps. Donc je pense que je vais attendre la fin du confinement et que là je referai une commande. Mais j'ai vu plein de choses aussi sur Zafool, sur plein de sites chinois que j'aime beaucoup et c'est vrai que Chine j'ai rarement été déçue. Alors j'ai rapproché des petits articles là que je viens de vous montrer, donc je vais vous faire un petit bilan. Donc en gros les maillots, celui-là j'adore, il va très bien, je l'ai pris en taille L et heureusement parce que franchement le shorty sinon il ne serait pas allé. Ouais, très très cool. J'ai beaucoup aimé. Voilà, bon après c'est pas un haut qui soutient trop, mais bon il y a des coques donc ça va. Le deuxième maillot, le haut il est très très petit. Très petit. Si vous avez plus grosse poitrine, enfin moi je fais du 95C. Et ouais, il est assez petit. Il remonte, ça se voyait pas trop à la vidéo que je vous ai mise, mais. Il remontait beaucoup derrière. Après c'est métal je pense. Mais si vous avez d'autres hauts dans ce style, voilà le truc il est à part. Donc c'est assez cool. Vous pouvez le mettre en dessous. Pour du L ça me va pile à ma taille. C'est pile la taille, la circonférence de ma taille. J'ai eu de la chance. C'est pour ça que je peux pas. Il est très très échancré. Mais ouais j'en avais pas de cette forme là avec des petits nœuds. Donc ouais plutôt cool. En plus on peut régler. Donc moi j'aime assez. Voilà donc je valide. Donc les maillots pour l'instant c'est au cou, je les ai pris en taille L comme je vous ai dit. La petite robe, eh ben finalement je la kiffe bien cette petite robe. Taille L, heureusement que j'ai pris taille L parce qu'elle moule beaucoup. Voilà, elle est très très mignonne, je kiffe, je valide. Ça, je suis en train de mourir de chaud. Je valide aussi, c'est très très mignon. D'ailleurs je pense que je me le prendrai peut-être en noir, enfin je vais voir un truc dans le même style mais je le trouve très 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 mignon. Comme ça, pareil, je valide aussi. Il est très mignon. Il est court, il est pour l'été, il est frais, c'est sympa. Voilà. Ce petit haut là, j'adore. Moi, j'adore les petits hauts style un peu lainage, un peu crochet. Vraiment, ouais, très très sympa. Bon, comme je vous l'ai montré avec une brassière, mais on peut très bien mettre un truc plus léger dessous. Hein, voilà.
transparent. Le petit haut transparent, j'ai adoré. Moi, ça, c'est un truc que je mets typiquement, ça j'adore. Et on arrive, voilà, un peu mes trucs un peu mitigés. Celui-là, j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est portable. C'est mignon. Après, ça me moule un peu au niveau de la taille, mais si j'aurais pu faire, je sais que ça m'aurait allé trop large, ça aurait fait bizarre. Donc, il est long, en plus, il va falloir que je le reprenne, enfin, que je trouve une couturière, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, à voir. Avec des t-shirts longs, ça peut être sympa l'été aussi. Donc, ça, c'est. J'hésite. La jupe, elle est mignonne, mais elle est un peu serrée, quoi. C'est ça qui m'embête. Sinon, je la kiffe. Et elle est transparente, ça m'emmerde un peu aussi. Mais bon. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas un petit doublage juste au niveau des fesses, ça aurait été sympa. Mais bon. Sinon elle est mignonne. Par contre le truc, voilà, que ça. Le bas de ce pantalon là, je vois pas ce que tu peux faire comme sport avec ça. Là, je l'aurais pas mis dans la catégorie sport, je l'aurais mis dans la catégorie pyjama, quoi, parce que là on voit carrément tes fesses, quoi. Tu peux pas aller à la salle avec ça, même si tu fais que du footing, on voit tout à travers. Ouais, déçu de ça. Et le haut, bon, le haut, oui, il est portable. Le haut, je le mettrai. J'ai l'habitude de mettre souvent des t-shirts un peu courts, des crop top, et souvent j'aime bien qu'on voit que ça dépasse. Donc ça, ouais, ça peut être sympa. Donc ouais, le haut, je le garderai. Donc je pense que je vais rien renvoyer de la commande. Je vais tout réessayer ça devant un miroir aussi pour que je vois un petit peu mieux, parce que devant la caméra, c'est pas le top. En tout cas, dites-moi ce que vous avez préféré. Et bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.